les gens, c'est Drac Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2. Aujourd'hui, petit live soumis. Aujourd'hui, on va se retrouver. Alors déjà, on va regarder ce que j'ai gagné. Parce que ça fait quand même... ça fait une semaine que j'y suis pas allé. Donc, on va voir ce que j'ai gagné. On va voir ce qu'on a comme petit défi cette semaine. Et voilà, donc c'est parti, on va voir. Donc c'est parti pour le live. Soumsmich. Non. Ah non, j'étais en train de me dire, punaise, j'ai tout. Ok, non, j'ai juste bronze et argent de la semaine. Dernière. Et là, nous avons du bronze, donc des followers, un Abra 500 édition Monster Truck, donc ça c'est pour un véhicule, des pièces légendaires, or et mince, et platine, donc une barre lumineuse, ouais, un truc qui sert strictement à rien, mais c'est pas grave. Donc on va, alors on retourne sur le petit start, on va regarder ce que j'ai gagné, ce que pilote, pilote, t'as gagné quoi pilote? Alors on va mettre les points dans leurs attributs, Sion bien sûr, il manque plus beaucoup de points n'empêche pour avoir la Chiron. Je pense qu'à partir que nous avons la Chiron, moi de mon côté je ne ferai plus de vidéo dessus. De toute façon, Forza Horizon 5 va sortir, donc il y aura beaucoup de youtubeurs. Je sais qu'il y en a un qui va déjà en faire et j'espère que ça va être super. Je pense que pour ceux et celles qui suivent, alors je vais faire un peu de pub, c'est pas de mes grands favoritismes de faire de la pub, mais pour cette personne, je pense que même s'il a pas mal d'abonnés ou quoi que ce soit, allez regarder ses vidéos, elles sont cool. En plus de ça, je le trouve marrant. Mafia Stunting, donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas ou qui sont déjà abonnés, allez regarder ses vidéos, clairement, il est super, il est top comme youtubeur, et il est voilà, il est vraiment marrant à un point, à remater des vidéos, c'est ce que je fais la plupart du temps quand voilà, vous n'avez pas le moral dans les chaussettes ou quoi que ce soit. Ce gars-là remonte le moral à 100%, c'est même pour vous dire que... Donc, voyons voir ce qu'on a gagné. Ah oui, une pièce de merde. Là je vais gagner de l'or, donc allez hop, mon Volkswagen. Alors c'est parti, nous partons pour le live soumis. Je pense qu'on va en faire encore 2-3 et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour demain. Ça sera du Far Cry 6. Je vais noter parce que je l'ai terminé. J'ai terminé le jeu, oui, on va me dire, ah t'as déjà terminé le jeu. Oui, en même pas une semaine, j'ai déjà terminé le jeu. Je vais le noter, je vais vous donner mes impressions à moi, bien sûr. Et bien sûr, vous ferez vos impressions à vous sur le jeu, si vous jouez au jeu. Si vous me dites ouais non il est comme ça, non, chacun ses impressions, chacun ses opinions, donc pas de non il est comme ça, non. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, ça fait toujours plaisir, même si je ne sais pas si je le dis ou quoi. Donc c'est parti, donc on va commencer déjà par les trois catégories, on finira par bien sûr le petit les petites courses. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de Monster Truck, ça va être cool. Donc c'est parti, on va peut-être je sais pas si je vais peut-être changer de véhicule hein, parce que en tout terrain c'est peut-être pas le pied hein. En plus c'est de la fuite, alors oui, non c'est pas là, pourquoi ça s'affiche pas? Oui, alors je me suis fait un petit plaisir, je me suis pris la Monster Truck pour ceux qui ne l'ont pas vu ou quoi que ce soit. Nissan, gna, ça c'est des Monster Edition Race. Pas mieux.
Avec toutes ces pièces là. Alors attendez. Comment ça se fait que j'ai des pièces On va le monter à fond. Ça, c'était pas prévu au programme, bien sûr. Comment ça se fait que j'ai des pièces Alors, je vais garder les pièces jaunes. Parce que ceux qui brillent, normalement, c'est celles qui sont compatibles. Ah, ça me... Faudra que je regarde quand même sur Internet, parce que... Pour ceux et celles qui jouent souvent, dites-moi si vous savez à quoi ça sert les pièces oranges là. Normalement, ça sera marqué avec une flèche rouge au-dessus à ce moment-là, mais c'est chiant parce que le truc c'est que on sait pas vraiment à quoi ils peuvent servir ces pièces-là et c'est casse-pied. Bon, bah voilà. Choisir. Ouais, le bot déjà il freine quand il est dans le tournant. Bon, dans ces tournants là, oui, il faut freiner. Parce que si vous freinez pas dans les dans certains tournants, vous avez la le nez dans l'arbre. Puis là, on peut. On n'a pas le choix de suivre le chemin. Allez, tourne! Là, clairement, on n'a pas le choix de suivre le chemin. Et je vais regarder comme... où est le classement. Parce que là. Là, je veux. X Porsche. Ah ouais, la Porsche. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai que avec une voiture un peu plus puissante, c'est vrai que j'ai pris un tout terrain là. Slalom, piste, vélo, voiture, non ça c'est bateau ou je pense que c'est bateau, aucune suggestion. Parce que là je pense pas que ça soit... Ah peut-être que ah non c'est c'est du piste piste. Bon bah tiens, on va prendre la Ferrari. La Ferraroche. La Ferrero Rocher. Qui mange des Ferrero Rocher? Je vous pose la question. Voilà. Et qui mange des Ferrari, bah c'est moi. Voilà. Je veux voir le score. Mondial. Oula. 664. Oh ça va, je suis dans les 600... 664. Non mais attendez, le premier il a fait combien? Record personnel, ouais d'accord. Actualise toutes les 10 minutes. Actualiser toutes les 10 minutes? Sérieusement? Attendez, alors là, le 400... Ouais. Ok, vu le nombre, je préfère encore regarder. Passons à la suite. Déjà 400, le 400e, il est déjà même pas 400 et j'étais un peu plus haut, mais
Et encore pas mal de chiffres. Le gars, il a dû. Chut. Il faut tout le temps changer, hein. Attendez, par contre. Oh bah oui, c'est du bleu. Allez faire quelque chose avec du bleu. Ouais, bah. Choisir. Putain, faut tout le temps changer. Alors je suis désolé, hein, je suis en fin de soirée. J'ai oublié de tourner la vidéo en temps normal. Je tourne les vidéos un peu plus tôt. Donc quand il y a le. Putain, mais elle est à l'opposé le machin, tu veux. On voit que dalle. Il est où le truc? Même avec de la nitro, c'est compliqué, hein. J'ai loupé le passage. Pas grave. Ouf. Pas loin de l'arrivée, mais je vais pas non plus regarder à chaque fois. 25, ouais. Mais bon, là, je fais du patin et quand tu connais pas le chemin, c'est compliqué, hein. Faut monter, faut descendre, monter, faut descendre. Tu vomis à un moment donné. Alors, bon, disons que moto, aucune restriction. Et là, change times. Et apparemment, on va utiliser un monster truck. Ok. On va prendre le gros. On va commencer par le gros. Le gros. On va passer en mode gros. Un gros monster truck. Port de là. Raspberry Pi. Drift Wishing. Ouais. Ah, ils offrent le monster truck? Ah non. Bah, je comprends plus rien là. C'est quoi ça? C'est. Wouah, c'est du drift! C'est du drift avec des voitures comme ça! C'est pas une voiture de drift, hein, les gars! C'est pas une voiture de drift, les gars. Oh, mais c'est compliqué avec une voiture comme ça, surtout que. Alors déjà avec une voiture de drift, ça part clairement. Hors piste, d'accord. Ah ouais, mais alors mettez un truc à la place de mettre. Un mur. Ouais, mais là j'ai perdu, même avec. C'est pas une voiture. Alors déjà avec une voiture de drift, c'est chiant. Mais.
Déjà, avec une voiture de drift en temps normal, c'est déjà casse-pied parce qu'elle part de gauche à droite. Mais là, c'est une voiture de Demolition Derby. Elle part. Déjà, elles sont super stables. Mais le truc, c'est que dès que tu cognes, la machine, elle part en morceaux, hein. C'est. Je croyais que c'était du Monster Truck, moi. Ben, j'étais en train de me faire une joie d'utiliser un peu mon Monster Truck parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de. Mais même en prenant correctement les virages. Même en prenant correctement les virages, c'est pas possible. C'est pas possible. Je recommence une dernière fois. Si j'y arrive pas, je pense aux autres machines. Mais clairement, c'est impossible. En voiture de Demolition Derby, c'est pas possible. Je fais même pas assez de points. Pourtant, je prends les virages correctement, hein. C'est impossible, c'est ingérable, c'est ingérable. Le truc, c'est qu'elles partent pas assez en fait. Elles partiraient, elles chevaucheraient un peu comme les. Je me plaignais que les Monster Truck, les voitures de drift étaient chiantes à manipuler, mais. Putain, je l'avais pas venu vous je l'avais pas vu venir arriver celle-là hein. Ouais, c'est impossible, c'est pas possible. Je ne fais pas assez de points en fait. Même sans toucher ou quoi que ce soit, je ne fais pas assez de points.
Puis c'est même pas la question du moteur en plus de ça, parce que le moteur, il est assez... Normalement, normalement quand tu en comme ça en Monster Truck, normalement tu devrais même pas avoir un truc correct. Mais là, c'est non, c'est pas possible. On va faire les rallycross et puis on fera une dernière fois si la vidéo est pas trop longue. Donc si vous voyez qu'à la fin de la vidéo, on recommence le désastre, on essaiera. Mais franchement, ouais, non. Petit coco à McDo en même temps. Vu qu'apparemment j'ai oublié de mettre en privé. Merde. Bon, pas grave. Oh punaise, j'avais oublié qu'elle s'arrêtait comme une merde cette moto là. C'est même pas la peine de faire du drift. Oh punaise. Par contre les bottes, ouais, j'avais oublié que ces bottes là. Le truc c'est que dès que tu veux partir en mode drift avec celle-là, si tu veux partir en queue de poisson, ben bon normalement je pourrais presque faire un looping, mais non, trop grosse. Le tremplin va pas assez haut. J'avais commencé à me retourner, mais c'est au dernier moment que j'ai vu que la moto. J'aurais pas fait le con. J'aurais pas fait le con, j'aurais pu peut-être attraper le dernier. Peut-être même passé. Ouais, bon, bah là c'était fastoche, hein. Même si c'est. Parce que normalement c'est avec les voitures. Franchement, y a pas à voir grand chose, hein. 1 minute 49. Ouais, ça peut se faire. Clairement, ça peut se faire. Ça peut se faire. J'aurais pas merdé dans les départs et puis dans le saut où j'ai voulu me retourner. Mais je suis sûr que ça peut se faire. Hein. Je pense que ça peut se faire, le looping sur cette course. Passons à la prochaine course. Stage 8, 6. Oh mince, c'est une course à plusieurs étapes. On va garder celle-là. Non, c'est pas une voiture, c'est pas une course à plusieurs étapes, ça. J'aurais dû prendre la moto, peut-être. Ouais, le machin, j'avais pas vu que ça se baissait. Attends, c'est mes suspensions, ça. Oh mince, ça va être long. J'aurais peut-être dû commencer par celle-ci au début, moi. Oh là non, c'est mon jeu qui craque. Oh là, eh oh. Mon jeu bug, pardon, excusez-moi. S'il y a eu des petites lags là avant là. Normalement je le dis hein, quand ça bug, mais là oui. Ça m'a fait un coup de lagage. Ça a tic-tic-tic-tic. Tic-tic-tic. Arrêtez de me mettre des tournants, je vais vomir.
plus de ça, j'arrive pas à le semer l'autre derrière. Arrête de foller les murs! Ah, punaise, mais sérieux, faites des courses droites, les gars, hein. Allez, hop. Vu ce qui m'arrive. Et tourne! Oula, faut descendre à 50, les gars. Faut descendre à 50. Hop là. Ah, oh, putain, il tourne en merde. Ah non, je croyais que ça avait lag. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Et non, en fait c'est moi. Heureusement qu'il y a des murs. Hein. Mais c'est chiant parce que les routes sont peu étroites en fait. Est-ce que j'arrivais? Je pouvais comme prendre le mur. Boum, allez, vas-y. Alors normalement la caméra, vous voyez quand je tourne, moi aussi je suis le mouvement. C'est un peu bizarre à la caméra, mais c'est tout à fait normal pour moi. Je regarde la caméra parce que ça me fait rire aussi, parce que moi de mon côté je me dis mais putain, ils doivent me prendre pour un con, je suis là en même temps la voiture, pourtant je suis pas dedans. Mais non, c'est tout à fait normal pour moi, je trouve. J'aurais peut-être dû prendre la moto, je serais peut-être allé un peu plus vite, je sais pas du tout en fait. Aïe, il y avait un mur. Là, je voudrais voir le temps du champion parce que là... Je suis déjà à 5 minutes, j'en vois pourtant, hein. Niveau nitro. Ah, frise pas, pourquoi tu frises? Ça, c'est quelqu'un qui essaye de me rejoindre et puis. Oh là, il y a un tournant qui me plaît pas. Pourquoi ils l'ont fait si serré, quoi, sans déconner.
Je klaxonne à l'autre en bas. En même temps, hein. Et tournant, vas-y que ça fait vomir. La 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 la. Dites-moi, pour ceux qui ont créé un peu les chemins, les routes, les machins, qui c'est l'abruti qui a décidé que une route pouvait pas être droite? Sérieux, hein? Et hop. Voyons voir un peu le score de notre cher ami. 5,36? Ah ouais! Ouais, c'est vrai que je pense que j'aurais pris autre chose. Une moto ou un truc comme ça, je pense que je serais peut-être allé un peu plus vite. Mais non, c'est vrai que... Ouais, je sais pas... Ouais. Bon, 31. On retente, mais une fois, pas deux, parce que j'ai pas envie que ça dure 15 jours. J'ai pas envie que, voilà, que on passe des heures et des heures sur un truc. Alors je pourrais le couper au montage, c'est sûr, peut-être, mais si vous voyez que j'ai pu faire et puis que j'ai coupé un morceau au montage, certaines choses, ça sera normal. Bah merci, hein. Oh, et puis le truc, c'est que ça m'énerve le système. Faut faire obligatoirement 20 000 points. Eh, j'étais pas prêt sur les trucs là. Oh, et puis je pars trop loin. Et pourtant, je fais du foie, hein. Je fais du foie, mais j'arrive pas à faire non plus des gros chiffres, hein. Sérieusement. Putain, mais j'arrive même pas à faire un tour complet en temps normal. J'arrive à la fin. Allez, je recommence une fois, mais sinon, après, j'arrête. Et si vous voyez que je coupe au montage, certaines choses. Alors, en temps normal, je le fais pas, mais. Non, mais bug pas! J'ai eu des frises, putain, sérieux!
Putain, mais c'est une calamité en fait. Regardez le peu de points que je fais. Mais sérieux. Putain, puis juste un petit frôlé, hein. Regardez, on tape les poteaux, mais ça nous enlève les points. Ça, c'est chiant aussi, c'est pareil. Alors, je pose une question à ceux qui font des trucs un peu professionnels. Parce que, bon, je sais qu'il y en a qui le font, ça, des trucs comme ça. Mais ceux qui sont professionnels, qui arrivent à gérer leur bagnole et machin... Est-ce que ça compte de taper dans les murs? Est-ce que ça enlève des points quand vous êtes en compétition, quoi que ce soit? Parce que là, clairement, taper dans un poteau, bon, certes, mais bon, les professionnels, je sais qu'ils esquivent les poteaux, les machins, les trucs, ça, c'est tout à fait normal. Mais dans un jeu, avec une voiture comme ça, j'ai jamais vu ça, quoi. Déjà, avec une voiture normale, c'est super chiant, mais là, c'est plus possible, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire. Et on se dit à la prochaine. Je pense que ce sera pour le dernier live soumis, je pense, parce qu'on arrive au 1000. Et voilà. Passez une bonne soirée. Merci encore. Et à la prochaine, les gens. C'était Draxury. Peace.